Alors, ce moulin, donc, il est dans la famille depuis 1913. C'est mon arrière-grand-père qui l'a acheté, qui l'a fait tourner, après mon grand-père, ma grand-mère, et jusqu'en 1939. Et à la guerre, il a été arrêté, et c'est mon père qui l'a fait fonctionner 2 mois pour donner à manger aux voisins, en 1944. Et après la guerre, le moulin n'a plus fonctionné, dans la mesure où mon grand-père n'étant pas là. Et les gens s'étant acheté des broyeurs électriques, donc le moulin n'a plus fonctionné. Il a ensuite en resté 40 ans sans tourner. Et j'ai décidé de le remettre en route, sachant qu'il était en très bon état et qu'il y avait la connaissance dans la famille. Et comme il faut toujours un prétexte à la campagne pour faire quelque chose, j'ai choisi donc les photos de mariage et tout le monde du CMI pour m'aider à le remettre en état. Et une fois que le moulin a été remis en état et fonctionné correctement, les visites sont venues tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient rentrer et on s'est retrouvé vide du jour au lendemain, depuis 32 ans. Et le moulin fonctionne depuis cette date. C'est une histoire vraie, mais bon, qui fait un peu cirque, parce que le moulin, au départ, donc, était à des cousins qui habitaient de ce côté de la maison. Et un jour, le cousin, il est passé trop près de l'aile en bas. Et la barre d'en bas est passée à la ceinture. Et il a tourné. Et c'est mon arrière-grand-père qui est venu mettre le frein qui l'a arrêté. Et quand l'autre a posé les pieds sur le sol, il a vendu le moulin à mon arrière-grand-père dans la seconde qui a suivi. Et c'est comme ça que le moulin est rentré dans la famille. Alors, le moulin, comme disait mon père, c'est un bateau sur terre et donc il faut prendre les mêmes précautions et c'est la même mise en œuvre pour pouvoir le faire fonctionner. Alors, tout d'abord, il faut toujours que les ailes soient face au vent. Donc, pour ceci, on fait tourner tout le toit à l'aide du cabestan. Ensuite, en fonction de la force du vent, on va mettre le nombre de voiles nécessaires. Ça peut aller de 0 voile à 8 voiles, qui totalise 50 mètres carrés au total. Et une fois que le moulin est parti à son bon rythme, et on règle à l'intérieur le débit du grain, le serrage des meules en fonction de la nature de la farine que l'on veut, car il faut savoir que le moulin servait pour faire de la farine pour les humains, c'est-à-dire de la farine très fine, mais aussi pour les animaux, avec du maïs de différentes grosseurs en fonction de l'âge des poulets, des poussins, etc. Voilà. Alors, le moulin donc, fonctionne maintenant uniquement pour les visites et tous les jours en juillet-août et le week-end en juin et septembre. Et lors des visites, donc, le moulin fonctionnant correctement, on explique au fur et à mesure de la visite tout le déroulé, à savoir tout le circuit du grain, ce qui totalise à peu près une demi-heure d'explication en fonction de toutes les astuces de fonctionnement, quand il n'y a plus de grain, quand le vent tourne, quand le vent force, quand le vent se réduit, etc., etc. Voilà. Et la farine qui est faite, donc, est faite avant tout pour montrer comment ça fonctionne, elle est uniquement vendue aux visiteurs, donc en souvenir, mais très appréciée pour faire des crêpes et des gâteaux. Rires.